blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles et rock'n'roll. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mes favoris du mois d'avril. En fait c'est la première fois que je fais une vidéo de favoris, bah, parce que chaque fois je me dis que je vais le faire et puis je prends jamais le temps, donc chaque fois c'est remis. En fait depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, chaque fois j'ai remis la chose quoi. Donc je m'y suis décidée pour le mois d'avril. Allez, bah, je vais commencer directement bah, par un produit que j'ai utilisé encore aujourd'hui. Donc c'est de la gamme Aquamondi Bretagne, donc Thalassocure de Daniel Jouvence. Alors, comme vous savez, je suis très friande de ces produits. Donc là, c'est le masque shampoing fortifiant cheveux. Alors comme vous voyez, c'est un 200 ml évidemment avec la chevelure que j'ai, je l'ai énormément utilisé, j'en ai presque plus. Et ça, c'est un truc, mais c'est génial. Et je pense à Chris justement parce que je sais qu'elle aime les produits 2 en 1. Et celui-là, ma chérie, en fait, il fait masque et il lave les cheveux en même temps. Donc, on n'a pas besoin de frotter. En fait, vous l'appliquez sur cheveux humides. Moi, je humidifie mes cheveux avec un vaporisateur d'eau, en fait. Donc, bon, c'est un peu de boulot, hein, parce qu'avec avec tout ce que j'ai. Et en fait, après, vous le passez bien, vous malaxez bien vos cheveux jusqu'aux pointes. Et vous le posez comme un masque. Après, je m'attache les cheveux derrière et puis je laisse poser. Ils disent 5-10 minutes. Moi, je laisse poser un petit quart d'heure. Après, je mets un tout petit peu d'eau, je fais mousser. Et puis je rince normalement. Et après vous faites un soin, soit un après shampoing. Moi je fais un lissant parce que j'ai plus de masque. Soit voilà après un masque. Et je suis très 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 contente de ce produit. Franchement il me rend les cheveux super. Mes cheveux ils regressent pas. Et puis j'aime bien l'odeur que ça a. Donc c'est en fait c'est à l'algue et au limon marin. Au limon marin pardon. Et franchement ça c'est un super produit pour fortifier. Pour, je sais pas, un petit coup de peps dans les cheveux. Vraiment, je vous le conseille. Ça, je vais m'en racheter. C'est une grosse nouveauté. Enfin, entre guillemets, moi, je connaissais pas. Une grosse surprise chez Jouvence, quoi. Voilà, donc, mon masque shampoing. Après, ça aussi, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. C'est ma crème biface. Là, donc, c'est la anti-âge fermeté, perle et caviar. Et elle a SPF, je sais plus parce qu'il s'est effacé. Je sais plus, je crois que c'est 8. Voilà. Donc, je l'ai. Ben là, franchement, je crois qu'il m'en reste même pas pour une fois. Très, très bonne crème, légère. Donc, une texture légère qui font bien. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas gras. Ça m'a hydraté juste. Donc, pas trop riche. Ce que j'appelle riche, c'est quand ça me fait un peu comme les crèmes pour les peaux sèches et tout. Vous sentez que c'est trop pour vous, quoi, que ça glisse trop et tout. Et celle-là, en plus, une bonne petite odeur. Et celle-là, elle est super. J'espère que j'en retrouverai parce que je l'avais trouvée à Stokomani pour 4,95€. 3,95€ ou 4,95€. Enfin, pas cher. Enfin, moins de 5€. Et donc, voilà, j'espère vraiment que j'en retrouverai. Donc, perles et caviar. Je sais pas si on verra bien. Hop. Voilà. Donc ça aussi, une très bonne surprise. Et je trouve que ça m'a... mes petites ridules et tout, je trouve qu'elles ont apprécié. Après, alors ça, j'en ai mis quasiment tout le mois. Donc résultat, je n'en ai plus. Parce que ça fait un petit moment que Lette me l'a offert. Et puis j'en mettais que de temps en temps. Parce que justement, je voulais pas trop l'user. Hein. C'est la touche parfaite aux 7 herbes. Donc c'est herborient. Voilà. Alors, ça, ils disent que c'est un unificateur de teint, en fait. Grain de peau sublimé, teint velouté. Alors, en plus, j'en ai parlé avec Hélène de mon blog de filles, puisqu'elle a essayé celle-là et la bébé crème. Et je suis de son avis pour dire, pour moi, c'est comme un fond de teint. Parce que quand même, la couvrance et tout, en plus, ça vous lisse un peu et tout. Mais pour moi, c'est pas une crème teintée, c'est vraiment... Pour moi, c'est un fond de teint, quoi. Parce que, vous voyez, j'en ai mis là... Je sais pas si vous voyez où je l'ai mis, comme je suis en contre-jour. Enfin, pour moi, c'est vraiment un fond de teint parce que ça camoufle tout, ça... J'aime bien la petite odeur. Donc voilà, ça, un très très bon produit que je vais absolument me racheter parce qu'avec les beaux jours qui arrivent, je trouve que ça couvre bien, ça unifie, ça lisse et ça, c'est plus léger qu'un fond de teint. Et pourtant, cette crème, elle est même plus couvrante que certains de mes fonds de teint. Mais je trouve ça plus léger sur la peau, je ne sais pas comment expliquer. Donc voilà, un très très bon produit, la touche parfaite, 7 herbes.
Pour le tarif, alors ça, je sais plus. Je crois que c'est 17 euros quand on me l'a offert. J'ai pas trop fait attention. Il me semble que sur le site Parapharmacie, que Chris en a parlé aussi de ce site, elle est à 17 euros. Ça, la Coamondis, je sais plus. Ça doit être dans les 10 euros ou peut-être plus, parce qu'en fait, Daniel Jouvent, c'est pas toujours très bon prix, mais il y a souvent des promotions. Donc, enfin, je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, la touche 7R. Après, alors, mes bonnes surprises. Attendez, les soins. Je finis d'abord avec les soins pour la peau. Ah, voilà. Alors, ça aussi, deux très bonnes surprises que j'ai eues en cadeau. Pareil, je vous en ai parlé plusieurs fois. De Physio Marine Beauté, donc toujours Daniel Jouvence. Soin lissant perfecteur pour les lèvres et contours. Et soin lissant illuminateur pour le contour des yeux. Un petit duo comme ça que j'ai eu en cadeau. Je crois que c'est 15 euros la pièce, 10-15 euros au moins. Et je trouve très très bien. Moi j'utilise sinon le. Pour mon contour de l'œil, j'utilisais le Ricoh. Et finalement là j'ai utilisé ça depuis que j'ai reçu ma commande début avril. Donc j'ai passé tout le mois avec ces deux produits. Et j'ai trouvé mes lèvres. Alors bon, moi mes lèvres je les hydrate toujours avec des baumes et tout. Mais j'ai trouvé que mes lèvres étaient moins sèches au naturel. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai mis ce soin, mais bon voilà. Et pour le contour des yeux, pareil, j'ai trouvé ça très bien. Donc voilà, mon duo Jouvence. Après, alors là, voilà, alors ça, c'est un cadeau de ma Cécile. Un super truc que je connaissais pas. Le Lip Glow, donc de Dior. Alors ce machin-là, je sais pas si vous voyez bien. Alors ce machin-là, j'en suis dingue. En plus, il s'use pas beaucoup. Donc en fait ça fait une couleur, ça fait transparent, ça, enfin légèrement rosé selon vos couleurs de votre couleur de lèvres, vos couleurs de lèvres pardon, non votre couleur, la couleur de vos lèvres, je suis arrivée. Et ce produit, je le porte là, j'adore ce truc, je le porte en duo avec mon brillant à lèvres comment ça s'appelle déjà, de Modélite. Et vraiment, c'est ce genre de rehausseur de lèvres et tout, c'est pas vraiment un soin. Je trouve ça génial. Bon, par contre, évidemment, c'est pas donné. Je suis quand même allée regarder. Le prix aux Galeries Lafayette. Il me semble qu'il est dans les 25 euros, peut-être un petit peu plus. Je sais plus exactement. Ou alors, s'il est même prix que les rouges à lèvres qui sont de cette gamme, dans les 27 euros, enfin à peu près dans ces eaux-là. Donc, ça a une très 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 bonne surprise, un super produit, quoi. Je dis que les lèvres, il faut quand même, si on veut avoir de jolies lèvres et tout, il faut quand même peut-être un petit peu mettre des fois un peu la main au portefeuille. Et ça, c'est pas un achat superflu, quoi. C'est pas parce que c'est marqué Dior et tout. Non, c'est vraiment, c'est un très bon produit. Mes bonnes surprises, ce sont, vous savez que je me suis mis au liner feutre. Donc, mes bonnes surprises, eh ben, c'est le Super Fat Eye Marker de NYX. Ah ça, une super découverte hein, que j'ai fait en versus avec celui de MAC, pour celles qui ont regardé la vidéo. Donc voilà, un très très bon marqueur qui tient extrêmement bien. Et puis, évidemment, mon marqueur, mon feutre Eiko, que je porte aujourd'hui. Ça aussi, une très très bonne surprise. Alors lui, c'est une pointe plus fine. Et c'est avec ça que je me dessine aussi mes petites étoiles sur le visage. Voilà, alors ça, c'est liner feutre, des super, super surprises. Et là, c'est juste fin avril, donc je ne le compte pas encore vraiment parce que je ne l'ai pas énormément utilisé, mais il me convient déjà beaucoup. C'est le Modélite, qui est le même style que le Eiko. Donc voilà, très, très bonne surprise, mes derniers feutres liner, en fait. Après, donc tout le mois d'avril, je me suis mis l'Architecte 4D. J'ai dû mettre que deux fois mon chouchou, mon Lashmania. Bon, enfin, vous connaissez c'est quoi. Mon Lashmania, j'ai dû le mettre que deux, trois fois. Donc voilà, mon chouchou du mois. C'est très rare que je mette le même mascara, à part mon Lashmania. Donc là, ma foi, le 4D, ça m'a plu. Donc voilà, j'en étais très contente. Ouais, je sais pas si on verra quelque chose, je le porte, mais... Voilà. Je dis merci encore à la Razeste, puisque c'est elle qui m'a donné envie de l'acheter. Et je regrette pas, voilà, comme j'avais dit, on a des styles qui sont assez communs, elle et moi, et elle en était super contente, et moi aussi, voilà. Après, le blush, alors j'ai beaucoup porté ce mois-ci, celui-ci, donc le Sex Appeal de Nars, voilà,
que j'ai eu en cadeau par mon amie Cécile. Donc un très joli rose passe-partout. Voilà, un rose vraiment qui est allé avec, avec tous mes make-up, très léger. Elle connaît vraiment mes goûts. Donc voilà, je le porte aussi aujourd'hui. Donc j'en ai pas. Là, je sais pas si en reste beaucoup parce que j'ai eu je suis allée chez le dentiste ce matin. J'ai pris des vapeurs chez mon dentiste, donc je me suis pas repoudré le nez. C'est pour ça que peut-être que je brille un peu aussi. Donc voilà, celui-là, très très bien. Je connaissais pas, j'avais pas essayé les produits NARS. Et franchement, ça le fait. Voilà. Donc là, j'ai fait pratiquement le tour. J'ai pas tout mis, hein, parce que sinon, il y en avait pour des heures. Et je vais vous présenter juste deux vernis. Donc, mes deux derniers de Catrice. Alors, je vous en ai parlé, je sais pas combien de fois. Donc, mon 380, le Forget Me Not. Donc, le violet que je l'ai porté. Je l'ai encore sur les pieds, c'est rigolo. Parce qu'en haut, j'ai rouge, sur les pieds, j'ai violet. Mais on s'en fout, hein. Donc voilà, le fameux violet de Catrice que j'adore. Enfin, il a une couleur, une seule couche et pff, il est sublime. Et le 060, toujours de Catrice, que j'en ai parlé plusieurs fois. Donc le Bloody Mary to go. Hop. Ça veut pas. Enfin voilà, donc c'est celui que je porte sur mes ongles. J'ai mis deux couches quand même, hein. Deux couches avec un top coat. Et là j'ai passé les 4 jours. Donc j'ai abîmé un ongle parce que j'ai fait ma vaisselle sans gants et tout. Mais voilà, plus de 4 jours. Je peux vous dire que pour moi, plus de 4 jours, c'est tenue extrême. Hein. Et le top coat, là j'avais mis celui de Mavala. Puisque j'ai celui de Sèche-Vite qui a épaissi. Alors celui de Mavala, Mavala, ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Enfin, ça doit faire 2 mois. Ouais, non, l'autre, je l'ai depuis plus longtemps quand même. Il est un petit peu épaissi et il me faut que j'achète un diluant, en fait. Donc, voilà. J'ai presque fait le tour. Je suis désolée, je suis un peu speed. C'est la fatigue. J'ai tellement peur de dire des conneries que je vais un peu vite. Et les pinceaux. Mes chouchous du mois, que j'ai énormément utilisés. Il est où? Voilà, alors, c'est des Cotools. J'en ai acheté plusieurs. Mais alors, celui-là, c'est mon chouchou. C'est le Total Face, quoi. Et alors, il est d'une douceur. Et je mets ma Complexion Perfection. Moi, je dis Complexion Perfection. Ouais, je le dis à la française. Mais bon, Complexion Perfection, c'est pour vous faire plaisir. 2LF. Et je le mets avec ce pinceau. Mais j'adore ce pinceau. C'est un truc... c'est vraiment mon chouchou. Voilà. Pendant longtemps, j'ai utilisé le Ricoh. Et maintenant, mon chouchou, c'est celui-là, quoi. Donc, voilà. Et une autre bonne surprise que en fait j'ai fait tous mes estompages avec, c'est le Blending A Brush de LF. Voilà, de la gamme bambou. Et voilà, celui-là c'est pareil, ça a été un coup de cœur du mois d'avril. Bon ben voilà, j'ai fait le tour de mes produits du mois d'avril, enfin des principaux du mois. Voilà, mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Je voulais aussi remercier tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Et puis, donc, je le dis ici, quand je serai arrivée à 1000 abonnements, bah, je ferai une loterie entre vous, en fait. Je prendrai mes 1000 abonnés et puis je ferai une loterie. Sinon, je reparle vite fait du projet communautaire. Donc, je peux vous dire avec qui il sera fait. Donc, ce projet... En fait, j'ai eu l'idée de faire une chaîne commune, donc une collaboration. Et donc, il y aura Chris Gem, il y aura DJ, il y aura Miss Vespera, pardon, donc Flo, donc Chris, Jenny, Flo, Coco, donc Coco Mylène et moi-même. Donc, de toute façon, on vous en reparlera sur nos chaînes respectives et puis on mettra ça en route. J'ai déjà créé la chaîne, elles étaient d'accord avec le nom que j'avais choisi. Donc en fait c'était Mam Beauty, mais j'ai pas pu utiliser ce pseudo sur YouTube, donc c'est Mam Love Beauty, mais on réduit à Mam Beauty. Donc voilà, si vous voulez, je vous donnerai déjà le je pense dans la barre d'infos, je vous donnerai le lien de notre chaîne communautaire. Voilà. Mais écoutez, je fais des gros bisous à tout le monde et puis je vous dis à très vite sur YouTube. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutiles et rock'n'roll.